L'avion en destination de Brookhaven va bientôt atterrir. Merci de mettre votre ceinture. Bon, Nicolas, je vais bientôt arriver à Brookhaven. Non, oui, comme je te disais, je vais faire une surprise à ma copine. Elle ne sait pas que je reviens plus tôt de ma tournée de concert. Oui. Ça va être une surprise pour elle. Et j'ai hâte de la revoir. Ça fait au moins 3 semaines qu'on s'est pas vu, à part en visio. Mais bon, en vrai, c'est toujours mieux. Normalement, elle devrait être à la maison. Elle ne travaille pas aujourd'hui. Je vais te laisser. Parce que là, on va bientôt atterrir. Et nous deux, on se revoit aussi, hein, Nico? Allez, ciao! J'ai trop hâte de faire une surprise à ma copine. Elle pense que je rentre seulement dans une semaine. Et au final, je reviens une semaine plus tôt. Parce que le dernier concert a été annulé. Tamara, c'est quoi ce bordel? Kenny? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas rentrer avant la semaine prochaine! Mais Tamara? C'est qui lui? Marc, c'est vraiment pas le moment. Rentre chez toi. Allez, zou! Commence à comprendre ce qui se passe ici. Bonne chance, mec. Je voulais te faire une surprise en rentrant plus tôt, mais au final, c'est toi qui m'en fais une des belles des surprises. Non mais Kenny, c'est vraiment pas ce que tu crois, c'est juste un ami. Un ami qui twerk sur tes genoux. Et cela dit, en plus, dans mon jacuzzi. Oublions ça. Alors, tu as passé un bon séjour? Tamara, tu prends tes affaires et tu te casses de chez moi, je ne veux plus jamais te revoir. Tu es en train de rompre avec moi? Mais tu peux pas faire ça, juste pour ça? Allez, dépêche-toi de prendre tes affaires et rentre chez toi. Je veux plus jamais te voir chez moi, sinon j'appelle la police. Bon, d'accord, c'est bon, je m'en vais. J'ai perdu Kenny. L'amour de ma vie. J'aurais pu finir riche, avoir des beaux enfants avec lui, vu sa bonne bouille et la mienne. Et là, j'ai tout perdu. Un mec beau et riche, en plus talentueux, un musicien, un chanteur. Et tout ça pourquoi? Pour une petite aventure de rien du tout, avec un mec dans son jacuzzi. C'est n'importe quoi. Faut que je le récupère. Je suis passée à côté de ma vie. Là, je vais être obligée de retrouver un job pour pouvoir payer mon loyer. Alors que chez lui, payer rien du tout. En plus, on n'a même pas eu le temps de se marier. Je peux même pas lui demander d'argent. Ah. On était si bien ensemble. J'aurais fait la couverture des magazines People. Oh. Bon. Je persévère. Je vais continuer à lui envoyer plein de messages. Jusqu'à ce qu'il accepte de me revoir. Ouais, je vais faire ça. Je vais lui envoyer plein de mails. Merci Kenny d'avoir accepté qu'on se revoie. Ça me fait vraiment plaisir. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, et puis comme tu m'as proposé de qu'on reste amis, j'ai accepté. C'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup d'amis vu mon train de vie, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais attention, comme tu l'as dit, on reste juste amis. Oui, pour le moment, juste amis. Le temps, tu vois, de se reparler et de revoir ce petit coup de cœur, ce petit quelque chose qu'on a eu quand on s'est rencontrés. Attends, Tamara, je t'arrête tout de suite. Là, actuellement, j'ai rencontré quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un? Attends, tu veux dire que t'es en train de date une fille? Ouais, c'est ça. Et je me suis dit que comme t'es mon amie, on pourrait en parler ensemble. Oui, c'est vrai, on est amis et tu peux tout me dire. Du coup, cette fille, elle s'appelle comment? Dis-moi en plus. Elle s'appelle Ludivine et elle est coach sportive. Wow, une coach sportive. Elle doit être sacrément belle, cette fille. Je
Je te confirme, elle est magnifique, elle est gentille, intelligente. Tous les critères que je recherche chez une vie. Tous ces critères, tu les avais chez moi. Oui, c'est vrai, tu es aussi très belle, très gentille, mais bon, de là à aller voir ailleurs quand même, hein, je te rappelle que tu as été infidèle. Oh, c'est bon, tu vas pas me ressortir cette histoire à chaque fois qu'on se revoit. Oublie ça un peu. Et alors, comment ça se passe avec cette fille ? On a déjà eu plusieurs rendez-vous, mais bon, je t'avoue, j'essaye d'y aller tranquille. J'essaye de ne pas brûler les étapes. On se voit, mais je l'ai pas encore invitée chez moi. J'attends vraiment de savoir si elle recherche une relation sérieuse avant de faire ça. Non mais t'as raison, brûle surtout pas les étapes, ne l'invite pas tout de suite chez toi, comme ça elle va te voir vraiment comme quelqu'un aussi qui recherche une relation sérieuse. Prends tout ton temps. Bonjour Ludivine, c'est vous ma nouvelle coach personnelle pour le sport ? Oui, c'est bien moi. Bienvenue dans la salle de sport. Alors, dites-moi tout votre parcours sportif. Qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille ? Plutôt le haut, le bas du corps ? Est-ce qu'il y a un endroit que vous voulez muscler plus que l'autre ? Je suppose que c'est les fessiers. Je ne sais pas pourquoi. Vous pensez que j'ai besoin de faire un peu de squat pour mes fesses ? Mais est-ce qu'on peut se tutoyer ? Bien sûr qu'on peut se tutoyer. Ok, super. Ben, écoute, je te fais confiance, parce que franchement, ton corps, il est magnifique. Je veux avoir la même chose. Voilà ce que je veux. D'accord. Allez, on va commencer notre séance. Je te remercie d'avoir accepté de prendre un verre avec moi. Comme j'ai pas forcément beaucoup d'amis à Brookhaven, ça fait quand même plaisir. Y'a pas de soucis, tu sais. Moi, je suis devenue coach sportive à Brookhaven y'a pas si longtemps que ça. J'ai pas forcément beaucoup d'amis non plus, donc ça me fait plaisir de prendre un verre avec toi. Et puis après toutes ces séances qu'on s'est tapées, eh ben ça fait limite, enfin on est comme des amis maintenant, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on s'est beaucoup raconté nos vies. D'ailleurs, en parlant de vie, j'ai hâte de savoir les nouvelles aventures de toi et de ton copain. Comment il s'appelle déjà ? Quentin, c'est quelque chose avec un K je crois. Kevin ? Avec Kenny tu veux dire, il s'appelle Kenny. Oh là là, je te l'ai déjà dit plein de fois en plus son prénom. Ouais c'est vrai, désolée, j'ai pas la mémoire des prénoms. Alors, avec Kenny, comment ça se passe ? Je sais pas, j'ai des fois l'impression que c'est un petit peu ambigu. Je sais pas, il m'a toujours pas invité chez lui, on se voit. Il est déjà venu chez moi par contre, je lui ai proposé déjà de venir manger avec mes parents, c'est ce qu'on a fait. Par contre, il m'a toujours pas présenté les siens et je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut pas trop que je sois dans sa vie. Je trouve ça un peu bizarre. Ludivine, t'es une femme exceptionnelle, t'es magnifique, t'es trop belle, t'as un corps de malade. En plus de ça, tu es très bien financièrement, tu as un bon job. T'as pas besoin de ce mec. Vraiment, s'il te fait attendre comme ça, c'est qu'il y a sûrement quelque chose derrière. Il y a sûrement quelque chose qui se cache sous cette histoire. Ça se fait, il a une autre meuf. Ça se fait, il veut pas de relation sérieuse. Je sais pas, moi, ta place, franchement, je resterai pas avec lui. Ah ouais, tu penses à ce point-là ? C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça se fait, en fait, il veut juste pas de relation sérieuse, même s'il me le fait miroiter. C'est la première fois que j'ai une relation avec un mec qui se dit vouloir avoir une relation sérieuse, mais qui en même temps m'invite pas chez lui. Donc, ça fait quand même un certain moment qu'on se voit avec lui, et j'ai l'impression que notre relation, elle stagne. Non mais, tu sais qu'il y a une file d'attente, je suis sûre de mecs qui kifferaient sortir avec toi, même pour des relations sérieuses. Et toi, tu te traînes un Kenny, là, qui te fait attendre et qui, ça se fait, ben, ne te prend pas au sérieux. T'as raison. Je vais le quitter. Je vais mettre un terme à cette histoire. J'ai l'impression que ça nous mène nulle part. Et je vais me reconcentrer sur moi-même. Je l'ai vraiment pas vu venir. Elle m'a quitté. Tu te rends compte, Tamara ? Elle m'a quitté. Écoute-moi, si cette fille elle t'a quitté, c'est qu'elle était certainement pas faite pour toi. Je comprends pas. J'ai voulu faire les choses sans brûler les étapes, faire les choses lentement. Et elle me reproche de ne pas avoir été sérieux avec elle. Alors que justement, peut-être que j'ai voulu être un peu trop sérieux et prendre trop mon temps. Mais cette fille, vraiment, je l'aimais bien. Je pensais vraiment qu'on aurait pu aller loin ensemble. C'est le destin, Kenny. T'y peux rien. Si cette fille, elle t'a quitté, c'est que c'était pas la bonne, c'est tout. Et faut que tu te remettes sur les rails. Ça va le faire. En plus, je suis là pour toi, tu sais. J'ai toujours été là pour toi. C'est vrai que t'es là maintenant et que tu me soutiens, donc je te remercie. Tu sais, Kenny, des fois, je me demande si on devrait pas se laisser une seconde chance. On est justement peut-être fait
l'un pour l'autre. C'est peut-être justement ça la destinée. Franchement... Tu attends quelqu'un, Kenny ? Non, je n'attends personne, mais c'est peut-être une livraison ou quelque chose de... comme ça. Ludivine, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que c'était terminé entre nous. Oui, et ça l'est, Kenny. Mais comme tu sais, je suis venue récupérer des affaires à moi. Des affaires à toi ? Mais t'es jamais venue chez moi encore, non ? Oui, mais tu sais, il me faut mon collier, celui que je t'ai offert. Parce que bon, on n'est plus ensemble. Et du coup, je voudrais récupérer la moitié de collier. Oh mince, faut pas qu'elle me voie. Tamara, est-ce que c'est toi ? Attends, je passe Kenny. Oh Ludivine, salut ! Comment tu vas ? On se voit tout à l'heure pour notre séance. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Attendez, vous connaissez toutes les deux ? Oui Kenny, on se connaît. D'ailleurs tu m'avais parlé de ton ex Tamara aussi. Mais je pensais pas que c'était la même Tamara que celle que je connais. Ah, parce que c'est le Kenny Lac, c'est ton mec. Je savais pas, j'ai pas fait le rapprochement. Hein. Arrête d'essayer de me mener en bateau. Tu m'as manipulé pour que je quitte Kenny, pour que tu puisses le récupérer, c'est ça? Parce que t'es encore amoureuse de lui. Je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Ton ex-copine est devenue amie avec moi pour que je te quitte. Voilà c'est quoi l'histoire. Attends, quoi? C'est vrai Tamara, t'as fait ça? Non, c'est juste un très très gros malentendu. Je savais pas que c'était elle ta copine, elle savait pas que c'était moi ton ex, enfin... Voilà, c'est un hasard. Ah ouais, un hasard? Et tu peux me dire comment tu m'as contacté pour que je te fasse des séances de sport? J'ai trouvé ton truc sur Google, voilà, c'était sur Google. Et je ne suis même pas encore référencée sur Google, sale menteuse. Tamara, encore une fois, t'as dépassé les bornes. Je ne veux plus jamais te revoir. Allez, tu dégages de chez moi. Mais Kenny, ça commençait à aller si bien entre nous. Il n'y a plus d'entre nous. Plus jamais. Allez, tu sors, sinon j'appelle la police. Bon, d'accord, je m'en vais. Et on s'appelle, hein, Kenny, hein. Bisous. Non, mais elle est complètement timbrée, cette pauvre fille. Je suis vraiment désolée, vraiment Ludivine. Non mais là, c'est vraiment... Je suis déboussolée, je sais pas ce qui vient de se produire. Je ne pensais pas que cette fille qui se prétendait être mon amie aurait pu faire ça. Maintenant qu'on a mis tout ça au clair, et qu'on a compris c'était quoi le problème, tu veux bien redevenir ma copine? En plus maintenant, tu pourras venir chez moi. J'ai compris que tu voulais pas attendre aussi longtemps. Et comme ça, je pourrais garder la moitié de collier. Bien essayé, Kenny. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Parce que avoir un petit copain qui a une relation aussi ambiguë avec son ex, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment bizarre. C'est trop cringe. Allez, rends-moi la moitié de mon collier. Bon, d'accord. Tiens. Merci. De toute façon, je suis bien prête à finir célibataire à Brookhaven. Parce que les gens qui habitent ici, vous êtes vraiment trop bizarres. I wanna make this forever.